Ok, et eh bien salut à toutes et à tous les amis, c'est Paradoxé. Je suis crevé, je suis fatigué. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour ce 12e tour du live, de vlog, pardon. On est à plus de la moitié, enfin, on est à un jour de plus que la moitié alors que ça me pique le nez. Gah ! Bref, donc, j'espère que vous allez bien. Petit résumé d'aujourd'hui, bon, en stage, c'est toujours la même galère que je vais pas vous expliquer. Par contre, on a eu le transfert des profs, vu que les profs ne peuvent pas rester avec nous 3 semaines. Du coup, ils font une semaine et demie. Donc, du coup, là, on a eu le transfert des profs. Et donc, du coup, on a été boire une Guinness avec les profs. Enfin, j'ai été boire une Guinness avec les profs, vu que je suis pratiquement le seul majeur. Donc, voilà, j'ai été boire une Guinness avec les profs. Ça s'est très bien passé. Ils nous ont demandé les avis sur les stages, et je leur ai dit en fait exactement ce que je vais vous dire là. Bah en fait mon stage, je l'adore, mais quand j'ai pas mon maître de stage, mon maître de stage m'énerve en fait. Il va me dire un truc, tu le fais, il gueule, ou alors il va te dire quelque chose, après il va te dire l'inverse, enfin, c'est bon quoi, stop, mets-toi clair, et prends des bonnes décisions. Mais apparemment, il y en a plein qui s'en plaignent qu'il arrête pas de gueuler. Excusez-moi, je viens de faire du bruit avec... J'ai mon pied qui arrête pas de craquer. Bref, donc voilà pour ça. Mais il y en a plein qui... Ouais, je sais, il y en a plein qui s'en plaignent qu'il arrête pas de se... Enfin, il y en a plein qui lui disent arrête de plaindre tout le temps. Mais franchement, il est tout le temps en train de se plaindre. Mais franchement, en fait, aujourd'hui, j'ai peu été avec lui et ça s'est très bien passé. Enfin, j'adore le stage. Quand... Mais en fait, vraiment, c'est vraiment cette personne-là qui m'énerve, en fait. Enfin, elle a un caractère à jamais content et moi, ça me saoule. Et puis, il parle super vite, ce qui fait que tu comprends pas. Et après, il fout ta gueule parce que tu comprends pas. Enfin, non, en fait, non. Enfin, tu prends pas un stagiaire pour que ce soit ton souffre-douleur. Enfin, même si, bon, honnêtement, déjà, tu prends pas un stagiaire pour laver ta voiture. Bref, passons. Mais voilà, enfin. Mais sinon, oui, encore une fois, j'adore le stage. Et je sens bien au niveau du grand patron de l'hôtel que vaut mieux que ça se passe bien pour lui, pour sa réputation internationale. Je sais pas pourquoi, mais... Bon... Ils sont mignons pour ça, mais... Il veut boire un café avec tous les collègues, ce qui fait que tu tournes à 5... Enfin... Je bois pas de café là-bas, je bois du chocolat, parce que... Sinon je tiendrai pas, tout simplement. Enfin... Surtout leur café, en fait, leur café est très spécial. D'ailleurs, je vous parle d'un truc spécial après. Mais voilà, 5 chocolats. Au bout d'un moment... Ah bah, même si bon, leurs chocolats sont très bons. Non, j'ai cru que ça m'avait appelé. Même si leurs chocolats sont très bons, ils mettent de la charcuterie dessus. Trop bon. Qu'est-ce que j'avais dit ? Ah oui, il faut savoir qu'en Irlande, ils boivent quelque chose que j'ai goûté, que je trouve dégueulasse, ils boivent du thé au lait. C'est dégueulasse. Franchement, je vous le dis, j'ai goûté, c'est dégueulasse. Ça a pas de goût, en fait. Enfin, ça a goût de tout et de rien. Enfin, en fait, je trouve que ça a goût de... je disais, je trouve que ça a goût de... Le sirop de grenadine que vous mettez dans le lait. Ça goûte ça. Mais absolument pas de thé, en fait. Enfin, ça goûte ça, mais avec... Enfin, mais ça en chaud, en fait. Il se trouve que c'est ça, en fait, qui est vraiment bizarre, en fait. Enfin, moi, personnellement, je trouve pas ça bon du tout. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Petit vlog beaucoup plus court que les précédents. Mais c'est pas grave. Demain, du coup, c'est le dernier journée. Jour... Donc, le dernier journée. Je sais même plus parler français. Le dernier jour de la semaine... demain ça devrait être tranquille aussi. Excusez-moi. Je viens littéralement de péter.
Lol. Bref, je sais pas si c'est son nom. Bref, au pire, on s'en fout. Tout ça pour dire, voilà. Je sais plus ce que je voulais dire. Qu'est-ce que je compte? Oui, du, oui, si, 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 c'est bon. Demain, ce sera une journée plus tranquille. Mais samedi et dimanche, enfin, peut-être plus, je sais pas, peut-être plus samedi, je vais essayer de commencer à voir chez les souvenirs. Parce que, bon, mine de rien, semaine prochaine, c'est le départ. Et ouais. Enfin, du coup, c'est quand? C'est samedi prochain, je crois. Enfin, dimanche prochain. Pardon, je vais vite faire regarder ça. C'est Oula, excusez-moi, je cherche un message. Bref, je. C'est dimanche prochain. Donc, du coup, on partira dimanche, ouais. On partira dimanche. Donc, ça veut dire que, c'est entre guillemets notre vrai gros week-end. Week-end prochain, même si bon, on pourra toujours faire des choses samedi prochain, mais bon, samedi prochain, moi je me. Enfin, en fait, je pense que je vais acheter les souvenirs cette semaine et semaine prochaine, plus visiter en fait. Je pense plus le faire dans ce sens-là. Voilà, du coup, je pense que si je. Attendez, je reçois plein de messages. Bon, c'est les messages, vous en faites pas, je sais ce que c'est. Donc oui, donc si je vais dans les magasins, soit je vous emmène avec moi, ou si j'ai plus de ou si j'ai pas assez de batterie, parce que je sais pas pourquoi la batterie de mon téléphone, depuis que je suis venu depuis que je suis arrivé en Irlande, la batterie ne tient pas. Mon téléphone n'a pas de batterie. Les messages, je les reçois comme là, je reçois des messages qui m'ont été envoyés à midi. Donc bon, assez gênant. Mais bon, tout ça pour dire, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Oui, si j'ai pas la batterie pour vous filmer dans le magasin, vous en faites pas, je vous filmerai les achats au retour. Voilà, merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur mon Twitter, sur mon Discord. N'hésitez pas à faire un don si le cœur vous en dit, c'était Paradoxe. Bye tout le monde.